comme tu m'as parlé, c'est bon, hein, la fois on est parti remonter la vague, je me disais, mais jamais on va partir quoi. Il était 10h la nuit tombée, c'est pas tout à fait fini, putain, mais jamais, hein, puis les autres, le grand Guillaume et puis l'intérim, il le faisait parler, les gonzesses, et puis là. Il y a un peu de temps, ce truc-là. Ouais, mais normalement, ça ne se fait pas toute l'année, ça. Après le petit fourgon, ça va tout faire pas neuf pour l'instant.
precio de ir a banco. Ay, 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 ay. Però sono i 20 lei, perché che non marcio bene, entrare, e se sono poi dove ero, abbiamo noi in entrare. Allora, su le braccia di ella, si è foutu qualche cosa, non è noi, e ha ancora il paese, e ha infezione, allora, il fuoco, operazione. Oh, non c'è, e beh, allora, là, la faccio, se ne fa. Oh, non c'è, c'è. Allez, 2000 euros ancora. Allez, allez, non, non, allez, ça va bien, ça va décoller. Ah mais c'est comme les touristes, quand ils te tiennent la main, ils en profitent, ils se passent la balle. J'ai compris, je veux pas le jeter. Ça coûte cher, oui. Oui, le petit chasse. Oui, à la rigueur, oui, le petit chasse, une petite bouillette. Franchement, mais ça coûte cher, le chien. Pas trop poilu quand même, ça gêne, hein. On est obligé de les perdre le nez. Ah bah tiens, c'était pas parler d'une chasse portugaise. Je tiens pas le portugais, là. Le portugais, là, le football, là, il a une bande, ça y est. Il pleurait. Il pleurait, oh, il est sentimental. Oui, avec la paye qui tout ça m'étonne pas. Mais il a quand même dit, je suis le plus beau et le plus riche. Ça, on le savait. Je crois qu'il est bien foutu, le gros, hein. Ah, bouillon, mais c'est sportif. Tu verrais mon frère, mon frère ami. Il vient de se taper le marathon de 43. Il faudrait donner un peu de soif pour Renato. Il en a besoin, Renato, c'est un chouchou. Il a travaillé en courant, il revient en courant. Il est mon frère, il est bon. Bonjour les gars. Moi je dis, fais ça, c'est Samuel qui me ramène à la maison. J'espère qu'il ne va pas courir le matin sur les pouvoirs comme il faut en vivre là, parce que là, il a pris la plaie du poumon. Hein. Pour aller travailler, ou alors il y va en VTT, mais en descendant ça va très bien, mais le soir quand il faut remonter là, sur l'autre, on va reprendre sur le tour. Et en deux. La côte de l'église à Florac, là, elle est raide, hein. Celle qui va au Florac, là, tu sais, à l'église du haut, là, mais je peux te dire qu'elle est pas dure. C'est un peu comme celle de l'Angoram. Celle de la Guara ou celle de la traîne, quand tu arrives dans la traîne, la première à gauche, tu montes là, jusqu'à l'église en haut, et bien dis-le, tu vas voir, debout sur les pédales. Oh, il n'y a plus de traîne pour ça. Ah oui, putain, dire que je faisais ça, comme je disais bonjour, oh là là, qu'est-ce qu'on change. Quand tout le monde repose. Ouais, celle de mon repos est pas mal, enfin, celle de la Guara, comme dit Apio. Parce que de l'église de la Corane, tu traverses, tu vas vers l'eau de la Corane, je peux te dire quand même qu'elle t'en a, elle va te soigner. Oh, mais c'est plus du côté de Corane, c'est là, c'est de l'eau aussi, qui montre bien là. Ouais, c'est plus des côtes, c'est des réunions. C'est une des côtes, là, c'est une côte de l'année, là, en Corane, derrière l'église. Ouais, celle qui va au centre en haut, là. Elle est là, elle est là, c'est dans la cour. Oui, exact, ouais. La côte de l'observatoire à Florac, il faut se la faire. Mais oui, oui, il y a quelques fois les Russes, là, bon, il y avait les Russes, là, il fallait se soigner. On ne parle du pas Florac, là, du coup, du bon droit, de ne pas faire la passe droite à gauche, bon, pauvre ami, bon, ça va être. Il y a une trace, là. Il est parti, Mario. Non. Mais je vends la côte, là, aussi, je vends. Oui, je vais y aller là, il fait ça mal sous peu. Il fallait que je m'en fasse belle, que je sente bon quand même.